بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons chapitre. باب ما يدعى به للمريض. Qui doit nous faire pour un jeune qui est malade. Alors, hadith 902. وعنها رضي الله عنها rapporté toujours par أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها لجأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله. Qui le prophète صلى الله عليه وسلم habitait visite sur famille, ou ça plus précisément certaines sur madame. يمسح بيده اليمنى les types passent sur la main droite. Ça veut dire l'eau, ça dit mon malade, qui est malade là. Là, il dit à sa doigt là. Un doigt qui est bien connu et qui est bon nous apprendre. Il dit Allahumma rabban nas, adhib il ba's, ishfi wa anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yugadiru saqama. Allahumma رب الناس او الله Seigneur de tout bandimoun, Seigneur Rob de toute l'humanité. Rob ça veut dire les mêmes qui créent, qui met là, et les mêmes qui donnent, les mêmes qui guérit quand malade, les mêmes qui donnent tout affaire quand besoin, les mêmes qui tient dans difficulté quand dimoun dans difficulté, les mêmes lui donnent tout, les mêmes Rob. Alors Rob de tout bandimoun, adhib il ba's, adhib veut dire faire aller. Al-ba's, c'est difficulté, c'est problème qui dit mon éna. Donc, dans ce cas-là, sa maladie-là, c'est sa problème-là, ça. Alors, adhib al-ba's, éloigne problème-là, fais problème-là aller. Ishfi, ishfi veut dire guéri. Alors, ça, c'est un, dans sa forme amr, ça veut dire impératif. Le verbe, c'est shafa, yashfi. Shafa veut dire guérir. Là-dedans même, nous gagnons le mot shifa, shifa'un, qui veut dire la guérison. Donc là, il vient dans la forme impératif, ishfi, guéri. Alors, impératif là, il y a des façons. Quand on nous peut causer avec un dimon qui est même niveau que nous, ou soit qui plie bas que nous, dans niveau, plie bas qu'on prend lui, dans une bonne façon, hein. Par exemple, un ustad peut causer avec ses élèves, ou soit un parent peut causer avec ses enfants. Alors là, il vient un lod, amr, c'est impératif là. Mais quand on nous peut causer avec un qui plie grand que nous, là, les vins d'enfo, men talab. Les vins d'enfo, men requête. Alors, nous pas pour dire qui nous peut donner Allah, l'autre, guéris-moi. Non, nous peut demander lui, nous peut faire une requête avec lui, qui, oh Allah, guérit. Ishfi wa anta shafi. Guéris, alors qui, toi-même qui guérisseur. Shafi, il sorti dans le mot, ça même qui nous trouvait là, shafa, yashfi. C'est lui qui guérit, c'est shafi. Guérisseur, c'est lui qui donne la guérison. Alors, guéri, donne la guérison, parce qu'il est toi-même qui donne la guérison. La shifa'a illa shifa'uka. La shifa'a illa shifa'uk. Pena shifa, nous l'y allons avec un hamza à la fin. Shifa'a. La shifa'a, pena shifa, pena guérison, excepté toi, ton guérison. Ça veut dire, ça, c'est un quelque chose d'important dans nos akhidas. Qui quand même qui nous fait, quand même qui docteur qui nous a guetté, quand même qui médicament qui nous prend, qui ruqya qui nous fait, c'est Allah qui donne guérison. Mais il nous capable pour faire, s'il n'a pas envie de donner guérison, il n'a pas pour donner. Et il n'a dit qu'il n'a pas fait rien. Problème là, maladie là, guérit par lui-même. Allah qui donne guérison. Guérit par lui-même, ça veut dire Allah guérit lui sans aucun traitement qu'il y fait. Donc là, shifa illa shifa uk, nous yakin, nous iman, ça est. Allah qui donne maladie et Allah même qui donne guérison. N'a peine aucune guérison excepté toi, ta guérison. Et n'a dit mon li pour al dans man moyen haram pour lui gagner guérison. Li quitte la porte Allah. Li al rot guérison ailleurs. Alors que musulman connaît guérison là, Allah même pour donner ça. Alors n'a pas al rot ban moyen haram pour gagner guérison, servi excuse. Non, mais. Je suis obligé à cause de mon besoin de guérison. Non.
pas tourner les dos avec Allah pour parler de guérison, Allah qui donne guérison. Et Nadjimou n'y a le traité. Et Nadjimou n'y a le fait, quelque chose qui implique shirk là-dedans, qui implique quelque chose qui compte l'islam là-dedans. Il y a des gens qui font une guérison qui compte Sharia, qui en déocadent. Donc, là, Shifa, il a Shifa. Il n'y a aucune guérison, apporte-toi ta guérison. Oh Allah. Shifa, une guérison, la yugadiru saqama. Une guérison qui n'a pas quitté aucune trace de maladie. Saqam, c'est maladie aussi. Donc, il y a plusieurs mots qui servent pour un problème médical. Chacun a sa différence technique, nous pas pour rentrer là-dedans. Alors, saqam, ici, c'est une maladie, c'est une trace de maladie, c'est un problème qui du monde souffert. Alors, la yugadiru saqama, une qualité guérison, shifa'an, une qualité guérison, la yugadiru saqama, il n'y a pas quitté aucune trace de maladie. Alors, Allahumma rabban nas, les bons autres apprennent-les, mon frère, les bons autres apprennent-les. Lieli souvent, lieli tous les jours, lieli le ban proche, madame, enfants, le nous-mêmes. Et là, Rasoul Hassan, qu'il fait, ça dit mon qui malade là, il passe sur la main, droite, le lit, il peut lier sa doigt là. Allahumma rabban nas, adhib il ba's, ishfi wa anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yugadiru saqama. Allahumma rabban nas, adhib il ba's, ishfi wa anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk. Shifa'an la yugadiru saqama. Prochain hadith qui ressemble à ça, 903, wa an Anas radiyallahu anhu, rapporté par Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu, annahu qala li thabitin rahimahullah. Li finjia a thabit, alo thabit, c'est un tabi'i jalil, un grand tabi'i, rahmatullahi alayhi. لجلي ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسكتوا بالي موفى مو أرقي ألو نحن بس نشبيك سامولا أرقي بيجي في رقية ألو نتو كوني مو بس سيفي مولا بس كي نكوني كي بيجي في رقية في رقية كي بيجي سأبيجي سيفي بان بقول بان أكشن avec lesquels à travers lesquels nous peut espérer que Allah peut donner nous guérison. Nous servons médecine avec l'espoir pour gagner guérison. Nous servons l'artisan avec lequel pour gagner guérison. Alors, Ruqya, c'est une façon pour gagner guérison à travers mon incantation, à travers mon parole et à travers mon action qui est associée avec cette parole. Par exemple, nous lisons le Coran, nous soufflons le djimon. Ça, c'est Ruqya. Un djimon malade, nous lisons tel ayat Coran ou soit tel doa qui est Rasoul sallam dit. Par exemple, ce qui nous fait qu'apprendre la ruqya, nous prenons la main, nous passons l'eau du monde. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait, nous lions sa doigt. Alors, est-ce qu'il te parlait, montre-toi, est-ce qu'il te parlait, mon frère, l'autre ruqya qui est Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam fait. Qala bala, il dit oui, bien sûr. Qala, alors, Anas, radiallahu anhu, il dit sa doigt. Allahumma rabban nas. Les pareils, il y a un petit voyage, un petit détail. Allahumma rabban nas, oh Allah, Seigneur de Bandimun, mudhib il bas. Alors là-haut, nous finissons trouver adhib il bas. Adhaba veut dire faire aller. Zahaba veut dire aller. Adhaba veut dire faire aller, éloigner. Donc, adhib il bas, nous demande Allah, dans forme impérative, nous demande Allah, faire aller. Aller. Ici, nous pas demander Allah, nous peut dire Allah lui-même, toi qui fais mon problème, mon maladie, allez. Mudhib, c'est celui qui fait aller. Donc, Allahumma rabban nas, oh Allah, Seigneur de mon djimon, mudhib al-bas, oh celui qui fait mon maladie, allez, qui fait mon problème, allez. Ishfi anta shafi, guéris toi-même qui guéris. Alors, peine à voir ici. Sa wa qui est là-haut, ishfi wa anta shafi, sa wa là, il veut dire alors que. Guéris alors que toi-même qui donne guérison. Ishi, il parle de médecin wa là. Ishfi anta shafi, guéris toi-même qui donne guérison. La shifa, la shafiya illa ant. Alors là-haut, il y a la shifa illa shifa ok. Ici, la shafiya illa ant. N'a pas aucun guérisseur à part toi. Shifa an la yugadiru saqama et an qualité guérison. Qui n'a peine aucune trace qu'il ait quitté. Alors, ça, c'est des variations formules. Mais, il est bon d'apprendre le premier là, parce qu'il sait même qu'il répond pas à tout. Vous pouvez trouver dans mon livre d'Oa, vous pouvez trouver
ban jimun kan fè doa, ban imam kan fè doa, tout ça, là, je plie ça. Alors, nous apprenons li, comme ça, nous lié li. Ban ulama là, ena ijma lo, en quelque chose, lo, ça, c'est qu'on appelle ruqya, nous peut dire ça, parce qu'il y a un service à mon ruqya là, ici. Est-ce qu'il te parle, mon fait ruqya avec toi, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin faire. Alors, ban ulama, fin, ena ijma, entre ban ulama, ça veut dire consensus général, qui lui permet pour faire ruqya. À trois conditions. Permet de faire ruqya, mais c'est ma besoin à trois conditions là-dedans. Alors, première condition, an yakuna bi kalamillahi ta'ala. Ou bi asma'ihi wa sifati. Qui lit dans kalamullah, ça veut dire, ou soit en Quran, ou soit en quelque chose qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous. Donc, il y a la bonne parole là-dedans qui nous dérive li depuis parole Allah, depuis parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou soit ce qui contenir Allah subhanahu wa ta'ala suban grand nom et suban sifat. Allah suban nom et suban sifat, suban attribut. Nous servi Allah suban nom, nous servi Allah suban sifat, nous servi ban ayat Quran, nous servi ban doa qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin montre nous. Ban bon parole comme ça, ça qui lui permet. Autre que ça, il n'est pas bon. Parce qu'il dit bon, nous connaît qui est là, certains ban parole qui servi pour mauvais travail. Appelle ça dans l'hindouisme, appelle ça un mantra. Ça veut dire une parole qui bandit mon servi et il y a beaucoup l'effet ça. Et la fin dans badiné, finalement, il y a quelque chose qui bandit enfant servi. Dit mon dieu abracadabra pour faire magie. Alors, il n'y a pas un propos vide ça, il n'y a pas juste un badiné ça. Vraiment, il y a une parole qui dit mon dieu pour faire magie. C'est un travail où certains sa bonne parole là, sa bonne mantra là. Alors, moi, pas qu'on abracadabra, qu'on sorti, mais c'est moi, j'ai envie de faire juste comprendre qu'il y en a certains bonnes paroles qui disent, qu'il y amène, il y ouvert, ben, la porte maléfique, qui fait Satan ce travail faire. Nous, faire attention. Alors, pas n'est que répète tout affaire qui tendait, pas n'est que reprend tout quelque chose qui tendait, nous attire l'attention aussi, là, certains bonnes, ce qu'ils nous appellent ta'wiz qui est là. Ne pas me dire qu'il est haram, hein. On ne va pas dire qu'il est haram. Par exemple, si on écrit ayat Quran, un papier, une ploie, il n'y a pas de problème. Mais c'est moi, il y a certains, ça m'en taouïd là, il y a quelque chose haram, il y a quelque chose extrêmement dangereux là-dedans. Écrire une incantation, écrire quelque chose, ou pas ne comprendre rien, finalement, dans la place qu'il fait un bon travail, il fait un mauvais travail. Alors ça, c'est ce qui m'a dit là, c'est une affaire bien délicate. N'a pas, n'est qu'accepter tout à fait aveuglément, n'est capable d'amener nous plus de problèmes qui solutions, et surtout, n'est capable d'un problème pour iman. Alors ça c'est première condition. Deuxième condition, wa bil lisan al arabi, qu'il y ait en langage arabe, ou bima yu'rafu ma'anahu min ghayri, ou soit dans un langage qui me comprend son meaning. Alors nous devons faire attention avec ben quelque chose qui n'est clair, mon papa comprend qui veut dire ça. Ici l'indien lisan arabi, premièrement parce qu'il Coran et hadith dans arabe, deuxièmement parce qu'il c'est un arabe qui peut écrire ça. Tout au moins, c'est un djimoun qui peut écrire en arabe. Donc, quand il peut dire arabe, c'est un quelque chose qui nous comprend. Ou soit un quelque chose qui, quand nous peut guetli, nous peut comprendre. Oh Allah, guéris-moi. Au nom d'Allah. Les plis, bon, nous mettons bismillah. Mais c'est moi, au moins, si on met au nom d'Allah, nous connaît qui nous peut dire. Nous connaît. C'est un djimoun, pas qu'on n'en est, pas qu'on dit tout. Il peut faire droit avec Allah en créole. Ok, pour vie, droit là, bon. Pour vie, parole là, bon. Ou un. يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. Et troisième condition, c'est qui dit mon là, il y en a yakin, il y en a croyance qui sa ruqya là, sa quelque chose là, sa même ta'wiz ou soit sa parole qui lui peut dire là, dans lui-même, il n'a aucune possibilité pour faire aucun effet lui. C'est Allah qui fait l'effet à travers ça. Ça, dit mon bien comprend bien, iman ça. Je peux dire ça avec le Coran là, je peux dire ça avec le doa là, ça, mon écrit quelque chose là au papier. Tout ça là, c'est un moyen ça. C'est Allah qui donne guérison à travers ça, ban quelque chose là. Ça, c'est trois conditions. Et nous prenons un dernier hadith qui est bien court, qui est dans la même direction, 904. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, qal, a tout apporté par Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, en parmi ban Ashara Mubashara, un grand sahaba. Il dit, عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فين فين فيزيت ما دونك كان موتي مالاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فين فين فيزيت ما انت ديجا تروف ان لونغ حديث
quand Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu était malade, et tu as beaucoup dans les autres paroles qui t'y allaient. Donc, peut-être un de ça va l'occasion là, quand l'Isibé est malade, et l'Isibé croit, il peut mourir. Finalement, il n'est pas mort, il finit de vivre assez longtemps. Alors, Faqal, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit, alors, ça doit qu'il y fait là, Allahumma ishfi sa'adan, Allahumma ishfi sa'adan, Allahumma ishfi sa'adan. Oh Allah, guéris Saad. Oh Allah, guéris Saad. Oh Allah, guéris Saad. Donc, nous trouvons ici qui nous capable de faire doit dire qu'avec Allah pour qu'il guérisse à Jimounla et nous mentionne Jimounla parce que nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin fait li. L'autre affaire nous trouver c'est qu'il fin fait doit là trois fois. Donc, nous répète doit de préférence trois fois parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait trois fois ici. Nous répète doit là quand nous envie Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous avons besoin de quelque chose, alors nous répète li dans nos doigts plusieurs fois. Alors, ça c'était un peu ban doa, un petit peu ruqya qui nous fait pour un autre dimoun qui est malade. Demain, Inch'Allah, nous vous quand nous-mêmes nous avons un problème, nous avons douleur, qui nous fait. Donc ça, c'est pour un dimoun qui est malade. Alors, toujours ça, premier doa là, il bon nous apprendre lui. Allahumma rabban nas, adhibil ba's, ishfi wa anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yugadiru saqama. Alors, nous faisons doa qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq, bénéficier avec ban parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui l'y fait qui à travers sur ban parole sur ayat Quran ban doa qui nous apprend Allah donne nous guérison et qui Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous avec nos ban proches de ban maladie qui Allah guérit ban jimoun qui malade et soulage ban jimoun qui dans problème wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.